Bonjour, alors je vous retrouve comme vous me l'avez demandé avec une tenue du jour. Alors rien de spécial, c'est une tenue que je fais pour aller travailler. Je suis pas au point pour niveau de me caler et tout, puis j'ai peut-être pas la pièce super adéquate. Donc on va commencer par détailler ça. Alors attendez, parce que je suis accroupie, c'est pas idéal. Alors sur au niveau des yeux, j'ai juste mis le color tattoo, le bleu, pas le turquoise, hein, le bleu gris là. Avec une poudre NYX, un fard NYX gris aussi, mais très métallisé. Ouais, du coup, j'ai rien là, mais bon. Au pire, je vous donnerai, si vous me demandez, je vous dirai, mais le fard, c'est dans la grande palette. Au niveau du teint, alors, je suis en train d'essayer le fond de teint miracle de Lancôme. Et comme vous pouvez le voir, surprise! Je pense qu'il ne me va pas celui-là. Au niveau du blush, j'ai toujours le blush T-Rose de NYX. Et sur les lèvres, j'ai le gloss natural de NYX. Oui, j'aime bien NYX. voilà, je vais vous montrer ma tenue. Bon, au niveau des bijoux, j'ai mes boucles d'oreilles en argent parce que j'ai vu que ça commence à me faire mal. Donc, j'ai mis mes boucles d'oreilles en argent. J'ai les petits bracelets que j'avais acheté sur Marie-Jeanne, voilà, ma montre habituelle pour bosser, enfin une de mes montres habituelles pour bosser, et mes chaînes que j'ai toujours autour du cou. Vous me voyez toujours avec ces chaînes-là, c'est toujours les mêmes. Voilà, à l'origine, j'avais pas les cheveux attachés aujourd'hui, et puis vu qu'ils tombent des cordes, je les ai attachés. Voilà, donc je vais vous montrer comment je suis habillée. Donc voilà, j'ai un petit dessous, un petit débardeur noir. J'ai un petit haut que j'ai acheté à Camaïeu en solde. Je crois qu'il était à 4 ou 5 euros. Voilà, il est couleur corail. Je trouvais que bon, il fallait mettre encore un petit peu de couleur tant qu'il y avait encore un petit peu de luminosité. J'ai un jean. Moi, je ne vous montre pas la ceinture parce qu'il est dans un état catastrophique. J'ai un jean tout brodé. Je ne sais pas si vous allez voir. Brodé ici et sur la poche arrière. Que j'avais acheté l'année dernière à C. Je me trompe pas, en solde aussi. Voilà, je suis très solde. Bon, les chaussures, je pense que vous les verrez pas. Voilà, de loin ça donne ça. Et les chaussures, voilà, les chaussures. Je vous les montrerai après, les petites bottines. Voilà, petites bottines à talons. J'ai pas forcément les bottines à talons. Voilà. Et comme blouson aujourd'hui, j'ai ressorti de derrière, enfin des placards. Une veste en cuir que j'avais depuis quelque temps. Voilà, et avec la veste, ça donne ça. Voilà, c'est bien parce qu'on ne voit pas ma tête. Voilà, avec la veste, ça donne ça. Alors, désolée parce que j'ai mon petit canapé qui est dans le milieu. Voilà. Elle est bien centrée au niveau du dos. Elle est vraiment sympa. Bon, le problème, c'est que j'avais quelques kilos de moins quand j'ai acheté. Bon, je peux encore la fermer, mais du coup, elle est quand Et même en un peu plus bottine, serrée. c'est ceci que je porte. Voilà, j'aimais bien ça. Petite. Voilà. D'accord. J'ai mes chats qui se battent derrière la porte. Donc voilà. Vous voyez, c'est assez simple. Et c'est, hormis le haut qui est corail, ça serait routinier. J'ai pas beaucoup de pantalons, donc j'en ai essentiellement deux. Donc, celui que vous voyez là, pardon, je remets les lunettes. Celui que vous voyez là, il y a un autre jean que je porte principalement. Après, bon, j'en ai quelques-uns d'autres, mais que j'aime moins, donc je les porte moins facilement. Donc voilà, donc vous vouliez une petite tenue, je vous en fais une. C'est pas grand-chose. Je vous retrouve de suite pour un bon plan. Je sais pas si je vous le mettrai avant ou après. Je pense avant parce qu'il faudrait que si vous êtes intéressé, le faire assez rapidement. Voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Alors, finalement, je vais mettre cette vidéo à la suite de la tenue du jour, puisque la tenue du jour est assez courte et que là, ça va être assez court aussi. Donc, c'est pour vraiment un bon plan. Enfin, moi, je trouve que c'est un bon plan. C'est sur le site du docteur Pierrico. À l'heure actuelle, si vous n'avez jamais commandé chez eux, pour la première commande, vous avez les frais de port qui sont gratuits. Beaucoup de produits à moins 50%. Et en plus, un petit cadeau que je vais vous montrer. Donc, les produits à moins 50%, moi j'ai pris émulsion de beauté matinale, fraîcheur et énergie visage.
qui valait 7 ou 8 euros et que j'ai eu à 3 ou 4 euros, je sais plus. C'est pas mal, ça rafraîchit. Bon, enfin voilà, ça rafraîchit le matin. Je mets ça et après je mets ma lotion. Enfin, je vous détaillerai mieux dans la. Je vous ferai une vidéo, une routine, puisque j'ai changé. Et donc je vous le montrerai. Et j'ai pris un démaquillant biphasé pour les yeux. Donc c'est maquillage intense. C'est Derma Ecolia. Voilà. Toujours de Pierre Rico. Donc c'est un biphasé. Voilà. À 3 euros et quelques aussi. Alors j'ai pris parce qu'il était moins 50. Hein, parce que ça vaut 7 euros et quelques vu la taille de la bouteille. Il y en a combien? Il n'y en a pas BZF. Hein. 100 millilitres. Et celui-là, il y en a 200 millilitres. Voilà. J'achète pas à plus de 7 euros ça, quoi. C'est hors de question. Et j'ai pris aussi un crayon pour les sourcils. Car oui, ça y est, je fais mes sourcils. Non, je les ai fait ce matin parce que j'ai eu le crayon. Alors attendez, parce que je cherche. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, si ça va ou pas. Je suis novice. Je n'ai jamais fait mes sourcils jusqu'à maintenant. Mais en regardant une vidéo, je me suis aperçue que ce côté-là, on ne le voit pas toujours. Parce que j'ai des sourcils, mais ils sont tellement fins qu'on ne les voit pas. Donc, c'est vrai que ça m'a choquée quand j'ai regardé la vidéo. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est vrai que faire les sourcils, ce serait peut-être pas trop mal, mais je savais pas trop comment faire. Et là, du coup, il était à moins 50%, donc j'ai pris le crayon. Il n'y a qu'une teinte, c'est pas difficile. Elle est un peu grise. Oui. Si je vous fais avec le goupillon, ça va pas le faire, puisqu'il y a un goupillon. Je sais pas si vous verrez trop la teinte. Voilà. C'est assez gris. Marron, un beige gris, gris. Ouais. Donc, je pense que ça va à peu près. On me dirait. Hein. Vous me dites hein, si vous pensez que ça va ou pas. Donc, voilà, j'ai pris ça. Et en cadeau, j'ai eu... Écoutez-moi bien. Non, mais si vous avez vu la pub, vous le savez hein, ce que j'ai eu. J'ai eu un sac, mais c'est surtout pour vous montrer la taille. J'ai un sac qui est comme ça. Alors, au niveau, je vais vous mettre une revue devant pour que vous puissiez voir la taille. Vous voyez, c'est quand même pas mal grand. Il est assez profond. Bon, il y a les deux petites poches portables. Voilà. Et une petite poche sur le devant, sous la plaque. Voilà. Je trouve qu'il est assez sympa quand même. Et ça, il est offert. Voilà. Donc c'est un sac que si on l'achète, je pense que moins de 10 euros, on ne l'aurait pas. Enfin, je pense pas. Là, voilà, enfin, il fait cadeau, il fait partie de l'offre. Donc voilà, donc si vous voulez, c'est jusqu'au 14 octobre, il faut se dépêcher, je pense. Mais je trouve ça assez sympa, moi qui adore les sacs. En plus, pour l'hiver, j'ai un manteau qui est rouge. Oui, un manteau rouge. Bon, ça fait des années que je l'ai. Hein. Et c'est vrai qu'il irait bien avec, quoi, je pense. Si j'assortis, en réalité, j'assortis pas trop. D'ailleurs, dans la tenue du jour, il y a deux choses que je n'ai pas dit. C'est le mascara que je porte, c'est l'effet fossile d'Yves Saint Laurent que j'ai en miniature, là. En le laissant reposer un peu, ben, finalement, il est vraiment bien, bien, vraiment bien. Et c'est quoi que je vous ai pas dit? Ah oui, et mon sac, et ben, c'est le sac que j'avais dans la vidéo précédente. C'est pour ça que je n'ai pas pris, ça ne sert à rien. Et je voulais vous montrer une bonne action qui est à faire en ce moment dans les boutiques de Beauty Success. Je pense que quasiment toutes l'ont. C'est ceci, j'en porte un. Je porte le petit oiseau, vous voyez là, le petit bracelet bleu. C'est une petite pochette comme ça, avec une miniature. Donc j'ai le mascara, là j'ai le gloss éclat minute embellisseur de lèvres. Voilà, j'ai le mascara qui était dans une autre petite pochette. Donc ça... La petite pochette comme ça coûte 4,90 euros. Il y a 4 modèles. Là, je vous en présente 2, mais il y a 4 modèles. Et c'est pour une association. L'association, c'est Arthritis, Recherche et Rhumatisme. Alors, je vous lis juste ce qu'ils disent au tout début. Grâce à votre geste solidaire, vous venez de nous aider à financer un projet de recherche médicale sur la polyarthrite rhumatoïde. Une maladie grave qui détruit les articulations de façon irréversible. Donc voilà, si vous voulez faire un petit geste qui est quand même assez sympa, parce qu'on a un petit bijou et puis un petit make-up avec, on sent moins le don, malgré que ça soit un don. Et les maladies comme ça qui touchent enfin, ce genre-là, on peut tous y être sujet. Donc autant s'en
les aider un peu à avancer dans ce domaine. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse. Donc cette petite vidéo va être à la suite finalement de la tenue du jour. J'espère que les deux vous plairont. Et j'espère que tout, enfin, que le bon plan vous plaira bien aussi. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.